Et nous sommes repartis dans notre War Tales. Donc on est en plein... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. On est en plein temple. On a récupéré Gert. Je sais pas quoi dire. Bref, on a récupéré Gert. Donc on va continuer d'explorer. On a de la nourriture, tout ça. On a de l'argent. On a encore des torches. on va peut-être en crafter genre une ou deux. On doit être sur la fin, je pense, du temple. Voilà. On doit être sur la fin du temple. Je pense sûrement encore genre la vague finale de boss ou un truc comme ça. Du coup, non, on s'est arrêté là. Inspecter. Porte est bloquée. On cherche toujours les symboles, on n'en a trouvé qu'un seul. Merde, il faut que je... Ah! Il est où le téléphone? Eh oui, désolé, parce que... Hein? J'ai zéro mémoire, vous savez très bien. Donc du coup, il faut que je prenne des screenshots. Avec le téléphone, ça va plus vite. Alors, on avance. Parce qu'en plus, on peut s'arrêter à n'importe quel endroit, en fait. Donc, c'est vrai que... Du coup, c'est plus facile. Donc le coffre, on l'avait ouvert, emprunté ça, on l'avait fait. Inspecter, encore une porte fermée. Inspecter. Ok, donc on... Ouais, donc ça c'est la porte avec les symboles. Genre, le premier symbole bleu, c'était quoi? C'était les triangles, c'était ça. Voilà. Bon, on sait qu'après, si on teste à chaque fois, ça va faire mal au mec, donc on va continuer d'explorer. Ah, professeur Virgile. Ça va, la tempête? Je me demandais si quelqu'un finirait par arriver jusqu'ici. Les pillards viennent régulièrement mourir dans ce tombeau, mais rares sont ceux qui survivent si loin. J'espère que vous appréciez au moins un peu la beauté de l'héritage des anciens, je ne me lasse pas. Regardez-moi cette fresque, elle a tant de choses à nous apprendre. Questionner. Jamais entendu parler, désolé. Alors, fais voir la fresque. Ah! Rune mystère. C'est vrai ils sont jolis les dessins, c'est vrai que j'avoue que c'est sympa. Bon, non, on cherche des symboles. Comment t'as survécu les bestioles, toi, sérieux? Un autre symbole. Vite, 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 faut prendre une photo. Ok, parfait. Parfait, parfait. Inspecter, mécanisme bloqué. Ah, actionné. Yes, porte ouverte. Il y a un truc là? Lire. Il est écrit quelque chose à propos du calme et de la quiétude. Tiens, on va prendre ça, guess. Là, on devrait revenir sur nos pas, non? Ouais, ok. Donc maintenant, il reste plus que le bas, je crois bien. Mais je sais plus où c'était. Ça, c'est pour ressortir. Je crois que c'est en arrière encore. Bah tiens, il y a là. Ah, c'est bon. D'horribles sons vous parviennent du sud. Ça marche. Bon, c'est bon, on a les trois symboles. On y va. Oh, il y a un cadavre. Un livre. La statuette est hors de portée. Il faudrait marcher sur les dalles pour la récupérer. Ah, ok. La porte est ouverte. Là, on revient sur nos pas. Yes.
Faudrait marcher sur les dalles. Je comprends pas. Parce que c'est pas un truc où il faut... Non, j'en sais rien. Ah, attends. Les dalles là qui sont gravées là. Peut-être celles qui ne le sont pas. Ah! Oh, faut rester appuyé, d'accord. Oui, il a subi une rupture des ligaments, super. Donc c'est pas... On va peut-être les soigner avant qu'il leur arrive malheur, parce que je sais pas combien de dégâts ils peuvent subir. Bonnet. Je vois pas le... La logique en fait. Attends, il y a les points. C'est toutes les mêmes étoiles. Ah, y a l'air d'avoir une lumière dans l'œil. Attends, on a combien de remèdes parce que là... On a encore 19, ça va. Ah ouais, le poney, il prend cher. Ah non, non, c'est un autre poney. Vous avez découvert les runes figures de gardienne. Ah ben putain! La rune figure de gardienne. C'est un objet? Figure de gardienne. L'être représenté par cette statuette tient une sorte de bouclier, à moins que ce ne soit une lanterne.
Ok. J'ai pas compris le. Ça m'embête. J'ai pas compris le système en fait. C'était peut-être une fresque à voir? Je sais pas. On va se soigner quand même. Sont les remèdes, après on peut les refaire. Ok, celui-là c'est pas grave. Après les râteaux, c'est pas grave. Au moins c'est pas grave. On soignera quand on sera en ville. Pour eux. Lève-toi. Il nous faut la porte. Ok. Après, on a un sous-sol, je crois. J'y suis pas allé. Alors, le rouge, c'est ça. Le jaune, c'est ça. Un cliquetis résonne dans la pièce et la porte s'ouvre. Okay. L'ambiance est pesante dans le couloir, vos compagnons se sentent observés. Une poterie se brise, des créatures surgissent. Parti. Ça va, c'est cool. Mais je crois qu'il y avait un endroit pour descendre où on a mis un piton là, mais je sais plus du tout où c'est. Je sais alors plus du tout où c'est. Allez, c'est parti. Attends. Là, on a plus de monde, on a plus de place pour le monde. Toi, faut que tu restes protégé. De toute façon, on peut pas vraiment faire mieux à chaque fois. Hein. Attends, mais il manque des torches là. Non? Ah putain, j'en ai trois là, ok. Et je me disais aussi. Un passage là, évidemment qu'il y a un passage. Ok. Ça me paraît ok. C'est un peu bizarre que. Très bien.
Truc qui crève pas, quoi. Ah, j'aurais pu faire Kourou. Faut que j'arrête de passer les tours aussi vite. Très bien. Là, on a Taurus. Profiter pour tuer ça. Oula. Se replacer là. Ça protège Septel aussi. Ok. Non, la vache. Bien, bien, bien. Parfait. Nickel, Kourou. Nickel. Elle est bien cette lance, hein. Putain de merde. Ok, vous, vous allez faire pair. Joli les nouveaux. Ok, on va on va faire tank avec Wit parce que là ça devient un peu dangereux. Ça devient tout petit peu dangereux. On n'a plus personne. On va faire de la reconnaissance. Très bien. Pour l'instant, à chaque fois qu'il y a une action, il y a une réaction. On les défend, ça va. Il y a Orlin qui est là. Non, mais là, je me suis mal mis là. On peut pas lui faire de dégâts.
Lucie, tu peux t'en charger. Lucie, elle peut rester. Oh la vache. Ok. Ok, c'est parti. On va avoir un rampant qui va nous foncer dessus. Ok. Ok, là il faut une belle réaction. Klaska? Ah putain, elle peut pas passer. Ouais, il doit y avoir qu'un seul chemin en fait. Là, c'est la merde de la merde. J'aurais dû d'abord faire le poison. Oui, je sais, c'est con. Jouer. Elle est où War? Ça c'est One Art. Je l'ai mis où War? War. Attends, peut-être que là elle peut l'avoir. Ah, tu vas me dire qu'elle l'a pas vu sur lui? Du coup, ça marche pas. Et ça marche. Putain, 45 HP quand même. Hein. C'est 5% de sa vie. Ok, là, il faut du genre, là. Il faut du people. Ok, très bien. Oui, t'as la rescousse. J'ai mis le jeu méga fort dans mon casque, je viens de me rendre compte. La musique, elle gueule de ouf. Mais c'est fun. J'ai l'impression qu'ils sont buggés, eux. Ils peuvent pas bouger. Ah, mais non, mais je peux pas les contrôler, c'est vrai. Je sais pas pourquoi le jeu me montre... me met dessus, en fait. Eh, ça c'est mon cochon. Faire attention, on a encore une saloperie qui arrive. Très bien. Ah.
Deux en on en a encore. Non, mais on peut passer son tour en fait. Ouais, je passe bizarre. Et genre, quand il apparaît, en fait, ça glitch un peu. Il joue pas, mais moi je peux pas le contrôler non plus. Donc, du coup, voilà quoi. Ok, là il va falloir vraiment aider. Oh, bonjour. Ah, c'est con ça, parce que oui, il fait très mal, hein. À cœur, il peut se débrouiller, il se débrouille très bien en fait dans les endroits comme ça. Ok, nouveau round. Let's go. Elle peut rien faire, merde. Ça parce que lui est là en fait. Putain, on peut pas aller là? C'est le cheval qui bloque? Pardon. Je comprends. Je comprends maintenant. Ah, la toux qui m'est venue d'un coup, désolé. Ah, je crois qu'on peut partir, hein. De toute façon, ils sont pas vraiment intéressants au final. Ils sont pas intéressants, si. En fait, si, mais pas grave. Brisé, let's go. Non, mon dieu, ce lag. Putain! Après, c'est pour du gré, c'est pas trop. Trésor des anciens. Les mines ont été explorées. Bravo. Bon, il n'y a pas un passage vers le bas? Je me rappelle vaguement d'un passage vers le bas de la dernière fois, non? On va voir. Au moins qu'on a fini. Hein. Nous, on se casse. Hein. Ah, là. Non, mais j'ai dû le rêver, hein. J'ai dû le rêver. On peut pas aller à droite. Je me suis perdu. Ça, on l'a fait. Ok, ça, c'est le mec. Ah, là. Mais j'ai l'impression que la caméra, elle est vachement zoomée, là. J'arrive pas à voir ce qu'il y a. Ok, il y avait quoi, là? Cette bibliothèque a été pillée récemment. Coffre. Ok, on l'a déjà fait. Mais il n'y a rien d'autre, en fait. C'est la bibliothèque. Et le coffre. D'accord, ça marche. Et à droite, il y a... Ok, le mec, il est là. Ça, c'est... Oula! Attends. Ok. Et là devant, c'est la salle avec le truc rond. Ok, ça marche. Ouh.
Eh ben. Ah, attends, on pourrait parler au mec là, non? Alors, des pierres sont en train de tomber. Quelques jours, j'attends qu'il en ressorte pour les cueillir. Ouais, enfin, bonne chance pour ça. Bonne chance pour ça. Ils sont un peu morts. Ils sont un peu morts, tes mecs. Enfin, la plupart. Bon, on fait quoi avec lui là? Je sais pas. On a ça, donc ça c'est une relique, ça va être une arme, sûrement, j'espère. On a fait déjà 2 nuits dessus. Ouais, on va attendre. De toute façon, on n'est pas pressé. On n'est pas vraiment pressé. On va rentrer. Attends, on a récupéré pas mal de choses. Par contre, on va remettre les armes aux gens. Non, alors toi, t'as plus de torches en plus. Alors toi, c'était les hachettes. Hachette, Lucie. Bon bouclier. Orline, toi, t'as toujours tes bombes. Casca aussi. Après, il y a les deux nouveaux, c'est le bouclier. Eh ben, très bien! Très, très bien! On va donc rentrer à la maison. Pas à la maison. Rentrer à la ville. Par contre, je crois qu'on va dormir ici. Parce qu'elle est. Oui, bon, déjà il y a ça, et puis il y a ça là-bas. Oui, en plus il y a ça maintenant. Juste à côté de nous. Est-ce que les sangliers peuvent nous attaquer? Ouais, 10%, ça va. On a 4 points de connaissance. Alors. C'est de la fièvre. On s'est bien débrouillé pour ce temple. Encore une fois, vous avez vu que on avait beaucoup de choses. Parce que je me balade avec 6 poneys qui peuvent transporter des objets. Ok, on a beaucoup de matériel sur nous. Mais quand même, genre tous les soins et tout ça, c'est passé. Enfin, non, pas tous. Mais il y a des choses qui sont passées, quoi. Donc c'est cool, c'est bien d'être équipé. Ah oui, alors ça, la louche de cuisine a une chance de récupérer une partie des ressources utilisées en cuisine. Donc ça, je vais le prendre et on va la faire et on va la mettre sur Lucie. Et comme ça, quand elle fera les gros plats, elle. Peut-être qu'on va récupérer des trucs intéressants. Et pour les plats, les petits plats, on va continuer d'augmenter Niège. Comme ça, il gagne de la. Parce que maintenant, il peut faire ça en plus. Il gagne de l'expérience et il gagne de la constitution. Mais les gros plats comme ça sera notre copine qui l'a fait, qui les fait. Parce qu'en plus, il faut pas de sel pour ça. C'est juste des trucs comme ça. Donc voilà. Merde. Oui, Septel, je sais. T'aimes pas notre exploration, Septel, honnêtement? Est-ce que toi, tu voulais juste tuer des gardes à la con, genre te faire une réputation? Là, on va dans le monde entier. Et puis, t'as vu, on a récupéré Gert. Je sais pas, tu peux t'amuser avec si tu veux. On peut garder 33. Là, on a. C'est 15, je crois, de carcasse. Parce que je veux bien faire un des remèdes, en fait. Enfin, faire le remède au moins une fois. À part. Donc, ouais. Et après, il faut du miel. Alors là, le miel. C'était où le miel qu'on en trouvait plein? Enfin, c'est quelle région qui a du miel? Je crois que c'est Marheim? Enfin, Vertruse.
Je crois que c'est Vertruse qui a du miel. Je crois que c'est Vertruse. Donc on peut faire ça, on en garde 15 sur nous. Je crois qu'on est bon. Ouais, non, on n'a que dormir. On n'a qu'à dormir. Bruit d'anguille, on le garde. Après, je voudrais bien. Ouais, si on a 20 rats, il nous faudrait une trentaine de carcasses. Là, on en a quoi? Mais les carcasses, c'est méga lourd. On va pas en garder autant quand même. Enfin, déjà, on va faire déjà une fiole si on peut un jour ou l'autre. Ou alors, on peut peut-être se balader à Marheim vite fait. Enfin, en Vertruse. Comme ça, c'est fait. Non, on va prendre ça, comme ça, on va vendre tout ce qu'on a. On va balancer du cidre. Est-ce qu'on arrête de faire du cidre ou pas? Bah, les pommes, c'est facile à avoir. Le cidre, bah du coup, ouais, ça fait de la. Je sais pas, ça rend les gens heureux. C'est vrai que quand on y pense, on met de la bouffe, mais pendant plein de moments, on mettait pas de boisson. Enfin, maintenant, il y a de la boisson pour les gros, gros, gros plats, mais. Enfin, bref, vous avez compris. Je pense que c'est bon. Très bien. T'es content la goule là? Ah, il est content là. Ça serait marrant qu'il demande son affranchissement. Ça serait super drôle. Ça serait assez comique. On peut en faire un capitaine aussi. Marrant. Qu'est-ce qu'il y a là? Je sais qu'il y a des sangliers, j'ai pas envie de me les taper. Oh, juste avant que je relance le jeu, il y a eu une mise à jour aussi. Apparemment, les esprits en fait étaient pas immunisés contre la boue. Honnêtement, je me rappelle plus si la boue les affectait ou pas. Mais tout ce qui est monstres fantômes, enfin. Animaux fantômes, maintenant ils sont immunisés contre la boue. Ce qui est normal, c'est des fantômes quand même. Déjà qu'on peut les saigner et tout, c'est un peu abusé, je trouve. Ah, ils sont là, les sangliers. Bon, faut baisser notre charge pour qu'on puisse remettre des fers à cheval à tout le monde, là. Ah merde, faites chier, là. Ah tiens, tant qu'on y est. Oh là là, les lags, quoi. Bon, après, je fais des rendus en même temps. Je sais, je sais. Je sais, ça aide pas. Perche. Alors. Ça, on peut vendre. Ça, ça. Ouais. Parfait. Parfait, parfait. Alors, je voudrais, ouais, faire ça comme ça, c'est fait. On aurait pu même faire l'autre. Ouais, c'est chiant. J'ai vu qu'il y avait un groupe là à gauche.
Mais merde, non, 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 pas là, putain. Oh! Si seulement vous étiez arrivé plus tôt, Glouco, non, ok. La révolte s'est produite en même temps que l'assassinat, oui. D'accord. Oui, c'est vrai qu'on a fini la mission maintenant ici. Du coup. Oui, on a fini ceux qui fuient. Ok. Donc c'était ça les points d'interrogation en fait. C'était ça. Ça marche. Oh, putain. Vu qu'ils sont rentrés, je me suis dit peut-être qu'on va pouvoir les attraper, mais non. On a encore 3 points de connaissance. Il va falloir qu'on les utilise. Et on n'a plus que 1000 d'argent, putain. J'ai trop boosté mes armes. J'ai grave trop boosté mes armes. Fallait pas. Ça, je l'ai fait il y a le dernier épisode, je crois. Ah, c'est la merde. Bien. Alors. On va se mettre là avec Lucie en plein milieu. Encore une fois, hein, je peux faire Kourou, mais je le fais pas parce que je suis un idiot. J'ai hâte que Taurus puisse utiliser la hache, mais je trouve que c'est un peu abusé qu'elle soit niveau 10. Alors que le boss, il était pas si dangereux, quoi. Yes. Oh, ça va faire cher. Et boum. Et boum! Ah, tu coûtes cher en points quand même, hein. Qu'est-ce qu'à lire? Lascaïr. Ok, oui, il est là. Ça marche. Ah, j'avais pas prévu ça en fait. Je peux pas faire grand chose en fait. Ouais, je t'ai pas vraiment pris des dégâts. Il est où Will? Non, ça s'est mené. Il est où Will? Will. Ah, Will, il doit être là. Oui, il est là. Après, j'ai en train de me dire, si je prends provocation avec Will,
Est-ce qu'il peut attaquer deux fois du coup? Ah! C'est pas une bonne stratégie ça? Ah, faut que je le marque. Attendez. Attendez, faut que je le marque quelque part. Attendez. Alors. Rajouter provocation à Will. Pour utiliser son attaque deux fois. Parce que du coup... donc si ça marche que pour lui, bon c'est un peu bête, c'est con. D'accord. Ça marche que pour lui, c'est un peu bête. Mais... Un peu les dégâts. Ouais, ça va. Hein. Parce qu'il est full vie. Donc c'est double. Du coup, on provoque. C'était un peu con ce que je viens de faire. Du coup, on le provoque. On s'engage. On fait l'attaque. Ça désengage. Et on peut refaire l'attaque. Donc, je trouve ça vraiment sympa. Bon, faut que je fasse attention à mes nouveaux là, parce que. Mais ouais, je pense que ça peut être pas mal. J'ai peur que... Non. J'ai pas confiance. Des fois, j'ai peur que le... Genre, son attaque se déclenche automatiquement. C'est débile, hein, je sais, hein, mais... On aurait pu lui mettre fureur. Voilà. On aurait pu lui mettre fureur. Ça sert à rien de tous les tuer au final parce que voilà, ils vont lâcher des armures niveau 7. Et mes nouveaux mecs sont pas niveau 7. Donc du coup, pas faire grand-chose. Il y a des esprits juste devant la ville, quoi, c'est ouf. Ah non, 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 lâche-moi, lâche-moi, lâche-moi. J'ai pas le temps, mon esprit est ailleurs là. Oh putain, foutage de gueule. Non, c'est bon. Viens, on rentre à la taverne. Bonjour, monnaie. Monnaie, monnaie. Ça, on prend. Ça, on vend. Je dois avoir... Non, du... Non, du Charlie. J'ai rien dit, je n'ai rien à vendre.
peut se reposer, mais encore une fois, sert un peu à rien. On a un épéiste confiant et feignant. C'est trop bien. Il est confiant d'être feignant. C'est bien. Une bruit de peau dure. Bah après, on recherche personne d'autre, hein, mais c'est juste pour voir. Ça, on va se reposer. Très bien. Ok, toi t'es toujours en train de faire ça. Alors de la Dex, dégâts contre les animaux, pourquoi pas. Ça pèse une tonne, je crois que je vais l'utiliser. Parce que de toute façon, on peut pas le faire, donc c'est pas un truc qui va rester. Le fromage. Cidre. Attends. Peut-être que j'ai des choses à crafter. Fait quoi le bar aux herbes? Lorsque la troupe collecte une ressource dans le monde, elle a 25% de chance d'en récupérer une bonus. Sympa ça. C'est très sympa ça. Ok, nickel. Alors, statuette masculine d'antiquité. Alors avant de me faire ça, tu vas me faire ça. Ça c'est 7 nuits de repos, donc on a le temps. Ah, il est content, machin? Ok. Mais qu'est-ce qu'on en fait là? Parce que le mec il me pompe 3 consommations à chaque fois. Donc au final ça sert à quoi de l'avoir? Hein? Ça sert à quoi? Sans déconner. On a mis Klaska derrière parce qu'elle ronfle. Mais c'est un peu bête quoi. C'est une des meilleures recrues qu'on ait pour le moment. Ok. Donc on a des trucs à faire. Fais voir ce que t'as avant toi. Ça, je prends. Métal aussi, je pense. Tiens, tu veux pas un truc? Non, c'était quoi? Merde, je les ai mangés. Je les ai mangés. Ah, ça va. Faut faire attention à l'argent, parce qu'on a 1400. Pas énorme, en fait. Donc j'y pense. Ouh, des fioles moins chères. J'arrête pas d'acheter des trucs. Est-ce qu'on soigne à 180? Non, attends, parce qu'on peut crafter plein de trucs. Est-ce qu'on a besoin de quelqu'un d'autre en tant que alchimiste? Ça fait que de la dex, pas vraiment très intéressant. À la limite, voleur, c'est peut-être mieux. Ou alors. Bricoleur. Et je suis en train de me demander que si on commence à l'augmenter ailleurs, du coup je pourrais plus changer. Faudra complètement augmenter en fait. Pour pouvoir la remettre alchimiste. Donc du coup bah elle est vouée à rester alchimiste pour le moment. Enfin, bref. Alors. Chivrassier. Ça c'est bon. Alors des remèdes, on va en faire 4.
comme ça. Voilà, on en a 20. Là, tu vas en faire déjà 10. C'est facile à faire, ça. Alors, fais voir. Très bien. Ok. Bon, faire ça. Tiens, je peux encore faire du givrassier. Oui. Ah, oula, attends, c'est vrai que... C'est vrai que ça utilise les mêmes plantes, en fait. Voilà, ça utilise juste pas les iris de neige, en fait. D'accord, oui, c'est vrai. Bon, bah du coup, on va utiliser les remèdes normaux. Et après, le reste, on va le passer dans les remèdes imparfaits. Nickel. 4, 5. On a 3 cochons, une lait, un ours. Très bien. Donc, là, 5. Terrible. T'as qu'à en faire 10. Parce que ces plantes-là, on va en trouver plein sur juste en se baladant. Donc au moins on est des 20 vrais remèdes et après le reste ça passe dans. Dans l'extra. Dans les bombes. On a assez. Le truc incendiaire, on a assez. Ça c'est bon. Je pense qu'on est bon. Toi, tu vends quoi? Ah oui, l'île de protection. Donne. Non, attends. Est-ce qu'il est équipé pour... Ouais. Très bien. Merci. Alors, le porteur ne peut subir aucun dégât direct de la part de ses alliés. Ouh, pas mal ça. Sympathique. Intéressant. Ça, c'est des choses qui peuvent être utiles, surtout en arène, en fait. Des petits détails comme ça. Rappelez l'arène où il y a du feu tout le temps? Dans les trucs inifugés, là, les onguents. Ah, on aurait galéré de ouf, hein. On aurait vraiment galéré de ouf. Alors. Hop. Hop. Ah oui, nos nouveaux râteaux. Je me disais, on est un peu lent sur le... à l'extérieur. 724, 726. Pourquoi on est aussi lourd? Toi, on va t'enlever ça. Tiens, tu portes 12 maintenant. C'est bien. Ça, tu nous aides. Ah! Chier. Pourquoi on est aussi lourd? C'est les équipements qu'on a, qu'on transporte? Enfin, on a de tout. Ouais, on va peut-être aller à la forge et crafter des trucs. On va voir un peu.
En plus, on a 3 points de connaissance, donc on va peut-être crafter du bordel. Très bien. Ça, on en a 46, ça va. Alors, les haches. Haches, pour le moment, ça va. Eux, ils sont toujours 5-5-5. Ça avance, là, parce que honnêtement, vous êtes lent, quand même. Hein. Alors, on avait dit qu'on voulait une louche de cuisinier. C'est pas mal, ça. Très bien. Une louche de cuisinier pour Lucie. Voilà, très bien. Très bien. Maintenant, alors on a toujours ça, on en a assez. Il y a le givrassier que j'utilise jamais, quoi, c'est ouf. La rondage spectrale. Est-ce que ça sert à quelque chose? Armure 41, garde 18. Elle passera à 41 d'armure au lieu de 34. Mais elle perd le dégât subi des attaques de tir réduit de 90%. Donc ouais, non, 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 non. Bon, par contre, on peut faire des renforts. Donc, armure et force, je pense. Pour elle. Ça marche. Lucie. Voilà, 50 de base. En plus, là, on n'est même pas boosté avec une bouffe. Ou quoi que ce soit. Hein. Donc, nickel. Nickel, nickel. Alors, après... Ah, et toi? Toi, tu peux te prendre une armure... Défenseur, Dex, Force, Armure, 4. Renfort du serpent, il faut quoi? Ah, c'est toujours du cuir blanc, en fait, les choses rares. Très bien. La musique est jolie, mais j'aime pas comme elle s'arrête brusquement. Force. Je suis en train de me dire, est-ce qu'on devrait pas lui mettre critique à la place? Ouais, mais je peux pas en faire des tonnes, je crois. Ouais, genre ça, la force et critique. Faut du charbon. C'est 6 cuir blanc. C'est chaud, hein. Du charbon, on peut en acheter. Je crois que plus on retire, vous savez que quand on fait des choses, plus on fait des choses et après on débloque des habilités et tout ça. Je crois que plus, si on retire des renforts d'armure, je crois que on va pouvoir les retirer sans les casser. Mais encore une fois, je suis pas complètement sûr de ça. Alors c'est shift. Mais ouais, je crois. Hein. Je crois avoir vu ça. Quand je regardais ces Quishai jouer. Là. Streamer américain. Ok, donc là, 29 de clé. C'est vachement bien cela. Hein. Les renforts de serpent, c'est vachement bien. Will, ce serait bien aussi qu'il ait une armure avec... avec des slots. Alors... Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que... Après, on avait crafté des choses pour faire de l'argent.
Je me rappelle à un moment, mais bon. On peut faire des plusieurs plein de couteaux de lancer aussi pour en faire des couteaux de lancer de poison, mais bon. Maintenant, je sais pas si c'est vraiment utile. Alors, la 41-18, on avait dit. Est-ce que Klaska... Peut-être pour Klaska à la limite. Et lui, il peut prendre le bouclier de Klaska. Ouais, on peut en faire ça. Allez, vas-y. Bon, te loupe pas, te loupe pas. Ça va tellement vite. Oh mon Dieu. Vas-y, je le refais. Mais ah ben putain. Ah, ça monte à 53 quand même. Hein. 53 et 21. Donc là, ça parle. Là, ça parle. Mais quel connard. Ah, mais quel gros con que je suis, c'est niveau 8. Ah là là, ah ce gâchis, ah ça fait plaisir ce gâchis. Bon, on va lui mettre ça. Et après, il n'y a plus pers y a personne d'autre qui utilise des boucliers de haut niveau. C'est tous ceux d'en bas. Non, mais il faut attendre que Klaska passe 7 du coup. Celui-là, faut que je le mette de côté. Hein. Il sera mieux. Puis celui-là, on va le vendre. Celui-là, oui, il est quand même bien. Là, c'est 53 quand même. Malgré ses atouts, la rondage spectrale ne semble pas très populaire auprès des guerriers. Des légendes racontent qu'elle est capable de se briser volontairement si son porteur n'est pas digne d'elle. J'aime bien le dégât subi des attaques de tir, bon, mais c'est vrai que ça arrive pas souvent. Ça arrive pas très souvent. Donc là, 52 de garde quand même. J'avoue que le pavois de bandit en fait est quand même nettement mieux. Hein. Je veux pas dire, hein, mais. Je veux pas dire, mais oui, non, c'est oui. Oui. Parce que moins elle prendrait moins de dégâts en fait. Si jamais elle se fait tirer dessus. Enfin, de toute façon, les archers, c'est pas ce qui est le plus chiant, on va dire. Ça dépend vraiment si on doit faire une ligne ou pas. Mais le pavois avait aidé, par exemple, pour la guerre des 30. Mais bon, on va se débrouiller comme ça. Bon, par contre, on peut pas. On a utilisé tellement de matériel. On a baissé en poids, hein, putain. Je crois qu'on va vendre ça là, du coup, c'est 8. Il n'y a personne qui utilise de bouclier à part les bas niveaux. Voilà. C'était 3. Non, c'était combien? Je sais pas. Celui-là, on va le garder, je pense, pour Klaska. Comme ça, elle aura un niveau supérieur. Donc, on peut le garder. On peut vendre les antiquités, je crois. Y a ça aussi, je sais pas. Figure de gardienne, on va la garder. Puis elle pèse pas en plus. Ah, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, les deux arcs, on les garde. Les dagues. Elle m'embête cette dague là solo.
Ah, il y a un livre qu'on peut lire, ça, c'est cool. C'est un peu lourd. Ok. Après, on a les carcasses qui sont très lourdes aussi. Ouais, là ça va le poids. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apprendre d'intéressant? Ça. Je pense qu'on va prendre orientation, voir un peu ce que ça fait. Donc, votre troupe peut indiquer un objectif sur la carte avec ça, de façon de pouvoir se repérer. Ça marche. Pierre de l'Est, précision. C'est quoi ça? Il y a encore des trucs hein, à débloquer. Hein. Il y a encore des trucs. Hein. Ça, c'est pour tout. Ça, c'est tout ce qui est le camp. Donc, on a encore trois objets. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça, on les découvrira sûrement dans des, dans d'autres régions. Bon, on va garder le point si jamais on doit débloquer des choses. Ça, il faut que. C'est Will le forgeron. Mais c'est Will qui est stupide, je crois. Il met tellement longtemps. À après, forger des choses, honnêtement, c'est pas vraiment le chose qu'on fait vite. Qu'on fait souvent. Honnêtement. Parce que ça coûte cher, il faut farmer. Il faut farmer les ressources. Ah, faut voir si. Oh putain, on peut marquer maintenant. Oh, c'est trop bien. Yes, on peut marquer. Est-ce qu'on le voit quand c'est pas sur l'écran? Ah, yes! On voit, vous voyez le petit drapeau? Ok, cool. Ah, bah attendez, on va aller là-dedans. Toi, t'as quoi à vendre? On a 1400. Non, c'est clé ouvragée qu'il nous faut. Merde. Alors attendez, le truc que je voulais faire, c'est ça. Parce que maintenant, le poids est bon. Je trouve pas les fers, ok. On est bon, tout le monde a des fers sauf l'ours. De toute façon, on n'en a plus des fers. Très bien. Très bien. Donc, on est à 48% vitesse de déplacement. Pas mal. Okay, on peut marquer les choses. Là, le destin de Grimir. C'est quoi le destin de Grimir? Accusé et fait condamner l'assassin. Ah oui, c'est vrai. On peut aller voir là ce qu'il y a un peu. Parce que le mec nous avait dit, la haute sécurité, il nous avait dit d'aller voir les. Je sais plus leur nom. Contacter la Ligue des Faubourgs. Je sais pas ce que c'est la Ligue des Faubourgs. On a les rats. Ouais, je sais pas qui est accusé en fait. On peut aller voir là-bas. Je sais pas qui est accusé, genre. Je vois pas vraiment en fait qui pourrait être le. Il y a tellement de gens en fait qu'on. Qu'on a à la limite une raison de vouloir la tuer. Après, il y a l'autre qui disait qu'elle était contre le. L'esclavagisme, en fait, apparemment non, parce qu'elle n'avait pas signé sur son papier. Donc je sais pas, ça veut dire non. Je sais que je comprends pas. Prendre du sel. Puis on doit vendre des trucs aussi aux marchands, là, pour.
pour voir qui est le marchand. Vendre des trucs au marchand pour voir qui est le marchand. Oui, c'est oui, vous avez compris. Oui, il y a le marché ici, hein. C'est vrai. Plus que 1200, faire attention. Ah oui, c'est toi qui t'occupes de ça. De la menthe, de l'eau de vie. Oh la vache. Oh, comment j'ai merdé. Oh, comment j'ai merdé. Désolé. Oh mon dieu. 43 perches. Il n'y a pas de chou. Il n'y a personne qui vend du chou ici. Oh là là. Oh là 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 là. Quel gros débile. Quel gros débile. Qu'est-ce que je fais maintenant, moi? Ah, tout le monde passe au sac, trop bien. Parce que je suis con. Jusqu'à la prochaine fois où on mange. Ah, vous allez en bouffer des perches, hein. Un sac de plus. Quel con. Bon, je vais être honnête, je sais pas trop quoi faire du coup. Oh, de l'or. Ah putain. Non, achète pas. Achète pas. Arrête d'acheter les choses. Il ne reste plus que 1000. Il nous reste plus que 1000. Il y avait des gens aussi qui se baladaient. Il fallait leur donner des trucs, je sais plus quoi, pour avoir des récompenses. On pouvait ou les attaquer, ou les trader avec quelque chose. Et c'était mieux. Il faut qu'on voit ça aussi, il faut qu'on y retourne. Échanger des objets avec eux. Ouh, anguille et sardine en même temps. Ça, c'est parce qu'on a la nourriture, je crois. Ça, c'est bien, ça. Ouh, deux champignons. Ouh. 4 métal, très bien. Après, je serais pas contre hein, de changer un peu de région. Allez, yes, très bien, super. Je savais que ça allait arriver. Pas porter un peu plus l'autre série de Grimir. Ah, ah la série histoire de se charger encore en bois et tout ça, comme ça on est encore plus chargé.
Alors, qu'est-ce qui se passe? Citoyen Piètre, la situation est simple. Soit vous livrez le bois que l'église de Gothenburg a payé, soit vous serez jugé pour roublardise. Je ne compte faire ni l'un ni l'autre, prêtresse. Les krones que m'a versées votre église ne représentaient pas la moitié de ce que j'en demandais. Vos prix sont exorbitants, citoyens. L'église vous a payé la juste somme, indexée sur le prix pratiqué à Tiltren. Ce comté de bouseux, l'avis de Gothenburg est autrement plus cher. Prenez le prix de la main-d'œuvre. Vous employez des esclaves, citoyens. Ne faites pas croire que vous êtes étouffé par le coût de la production. Ouh, pas bête. Bien dit, j'ai envie de dire. Ce bois est destiné à l'édification de la cathédrale de Gothenburg. Participer à cette œuvre sacrée devrait lui suffire. Soit le citoyen Piètre nous donne ce bois, soit nous l'enverrons devant le tribunal du négoce. Faites-le revenir à la raison et tout le monde sera satisfait, surtout vous. Alors, ils n'auront pas la moindre écharde tant que je n'aurai pas été payé. Si vous arrivez à les convaincre de me verser le prix que je demande, je vous verserai le même salaire que celui de mes gardes du corps. What? Bah, ils prennent combien tes gardes du corps? Ah, c'est ça tes gardes du corps? Oui, mais ils prennent combien? Moi, je veux savoir le prix. Je vais voir un peu. Ça me fait chier, on est déjà soupçonneux là. Ah! Bah, ils ont qu'à un peu payer aussi l'église hein, quand même. J'admets que nourrir et loger des esclaves est coûteux, c'est vrai, et que son bois est sans conteste bien supérieur à celui de Tiltren. D'accord, l'église fera un effort, donnez-vous la peine de lui transmettre la nouvelle. Ça marche. La princesse a entendu raison, à la bonne heure. 160. Les dépenses en mercenaires valaient le coup finalement. Ça va. Je pensais être payé des pacotilles, mais. Nous attendons que nos esclaves. Ça y va, les esclaves, ici, hein, dans cette région, hein, la vache. Ça y va, les esclaves et tout. Hein. Il peut y avoir des bestioles là-dedans. Et voilà. Ah, vous êtes qui, vous? Ah, oh, merde. Ah non, me dis pas qu'ils sont agressifs. Ah, tu m'étonnes. Ah! Ah non, mais allez. Sans déconner. On est allé avant, foutez le camp de Grimir, où sera la dernière région que vous visitez. La prime de cette enquête est à nous. Et vous me faites chier. Ah, vous cherchez les noix, vous, hein? Chercher les noix. Bon, ils sont juste 10. Klaska et Lucie à côté, pas la peine.
6, 7, 10. Neige, let's go, neige. Très bien, c'est qui, c'est lui. Vas-y, Lucie. On va y aller un peu mollo avec la bravoure. Très bien. Oh, je crois qu'on n'est pas loin de la fraternité, de leur camp. On peut peut-être aller acheter une provocation pour Will. On peut peut-être faire ça. Pas mal. Pascal, tu vas t'occuper du reste. Quoique, attends. Bien. Ah, tu l'as pas tué. Quasiment rien, quoi. Je sais pas qui utiliser là. Ça fait quoi ça déjà? Oui, ça c'est le barbare. Tu seras niveau 6, on pourra faire quelque chose de toi aussi. Non, pour le moment. Pour le moment, c'est un peu bof. Il faudra du feu et tout, on t'enverra seul. On va utiliser 8 maintenant. On va se mettre juste là. Les deux seront morts. Qu'est-ce qui fait mal, Wit, maintenant? Oh là là. Et voilà. C'est incroyable. Ah, fais voir un peu. Ouais, mais voilà. Merde, putain. Chaque fois, il tue tout le monde, quoi. C'est ouf. Ouais, c'est bon, allez. On est assez fatigué comme ça. Et on pèse 3 tonnes.
Du pain à faire. Ah. Ouais, on en fait un peu trop, quoi. Voilà, verser et se reposer. Sanglier gras, très bien. Oui, alors je suis le plus fort, je défonce tout. Ce n'est pas normal que je tue autant d'ennemis. Ouais, tu m'étonnes. Le mec, il va pas arrêter, quoi. Célébrer. Ah, le mec, il va pas arrêter de... Ça y est, il a sa lance. Il fait des putains de dégâts de ouf. Mais après, est-ce qu'on pourrait le respécialiser dans quelque chose? Honnêtement, je vois pas. Hein. Le mur de lance, encore une fois, c'est de la défense. C'est pas de l'attaque. Donc je crois que le G, c'est y a pas mieux. Puis après, bon, il y a ça, oui, ça peut être intéressant. Le soutien avec cette lance-là, ça fait très très mal. Mais la déstabilisation est vachement bien. Parce que si on garde le G, il faut me prendre ça. Hein. Après, fureur. Ouais, non, y a pas à dire. Hein. Y a pas à dire. Et comme j'avais dit, on est proche de la fraternité. On peut faire un tour. Je voudrais juste éclairer la map. Ça, on prend. Ah, mais c'est pas 300 l'un. Oh merde, je crois que c'est 300 l'un. Il faut aller au marché noir. Ah, mais c'est où le marché noir? C'est à la tour de l'aube? Non, c'est pas la tour de l'aube. Non, mais on a 720. Je vais pas payer. Bon, faut faire notre mission. Je vais pas payer 300 pour un livre. Hein. Non, non. Pas payer 300 pour un livre. Ouh, je crois qu'il y a des esprits là. Invasion de rats, cool. Pas mal d'invasion de rats ici. Ils peuvent pas se mettre sur la gueule là, les loups et eux. On les a eu. Bah, je crois qu'on va être dans la mer là niveau argent. Faut qu'on vende la nourriture qu'on a. Hein. On a 10 jours de nourriture. Faut arrêter d'en acheter. Comme un gros débile. Je crois qu'on va virer Gert. Hein. Il sert à rien de rien. C'est marrant de l'avoir, mais bon. Je vais pas dire, mais. Diégrite la vipère. Dans des super armures, je trouve ça vraiment classe.
truc qu'on peut faire, c'est ça. Bien. Je voulais le mettre là, mais bon, il n'y a pas assez de déplacement. Ah non, t'es sérieux? Ah merde. Will Taurus. Laisse tomber quand il aura la hache légendaire là. Laisse tomber. Vas-y Will, fais nourrir. Ah, je peux pas. Et les gens, vous voulez pas partir? Non? Non. Ça va faire mal hein, quand notre barbare il sera bon. Genre plus de santé et tout ça avec le dégât augmenté, la cible limite dont la santé est intacte et tout ça. Et ça va faire du critique et tout, et puis la hache elle est bien de base. Honnêtement ça va être intéressant. Je pense. Avec cette hache. Bon après c'est pas la même attaque qu'on fait, mais enfin, peu importe quoi. On est à côté de la prison ou pas, je crois. On fera un peu d'argent. Tu peux t'en charger solo. Putain. Ah oui, tu peux t'en charger solo, oui. Ah oui, oui, je confirme. Ça, on l'a fait partir. Si fais-toi te défoncer par un cheval. Toi piétiner.
Ah, par contre, ça m'intéresse. Ah! Wannart 7. Non, Wannart. Mouvement, t'es bon. Plus de critique ou de dex. Ouais, go critique. Et Geratred. Geratred, je sais pas ce qu'on veut faire de toi. Bah, pas un tank déjà. Parce qu'on a déjà Lucie en tant que masse. Toi, t'es plutôt DPS. Après, peut-être qu'on pourra trouver une autre habilité qui va être vachement bien comparé à ça. Donc toi, ça serait critique ou force. Bon bah apparemment tu veux faire critique aujourd'hui. Ah, très bien. Ah, attends, il y a ça. Dégâts d'attaque d'opportunité. Donc. Dégâts critiques. Ok. Il y avait Taurus qui avait ce même type d'armure. Par contre, il perd 1 pour ça. Ah ouais, non, mais il perd beaucoup trop d'armure en fait. Après ça, c'est des armures lourdes pour Liège, vu que ça va être un... Bah toi alors. Hein. Et ça, non. Oui, je crois que c'était le seul qui avait vraiment une armure bien pourrie. Hein. Était niveau 2. Ouais, donc là, ça va. On peut vendre ça, on peut vendre ça. Nickel. Bon, fais gaffe avec les loups, j'ai pas envie de me faire chier avec les loups. Prison. On aurait pu en attraper plus, mais bon. Tu veux pas, vous voulez pas nous prendre Gert? Non. Je me demande pourquoi ils veulent pas nous prendre Gert. Mais alors je vais être honnête, je sais pas qui accuser. Je... On fait tellement de choses, moi je sais plus vraiment ce qui se passe. Ah oh, putain, t'es sans déconner quoi. %, ça suffira. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Une vingtaine. Ok. Alors, 6 repos. Parti. Voilà, on va s'arrêter là et on continuera la prochaine fois. La prochaine fois, je sais pas quoi faire en fait. Le Gert a essayé de s'enfuir, mais Taurus l'a empêché. Honnêtement, on aurait dû le laisser. Alors, Rista. C'est niveau 6. Très bien. Bon, il est où? Aether. Aether. Ah ouais, non, du coup, c'est le barbe. Ah. Non, il est obligé de continuer de travailler sur ça. Pas grave.
C'est pas grave. On va s'arrêter là. La prochaine fois, je sais pas du tout quoi faire. Il faut qu'on trouve le meurtrier. Je vais peut-être regarder un peu à droite à gauche pour qui peut être le meurtrier. Moi, je pense au mec qui était contre le... qui voulait abolir l'esclavagiste et l'autre, elle voulait le laisser. Le mec, il l'a pas aimé. Genre ceux qui ont... Ils ont... Elle a failli ruiner leur famille, là. Je pensais à ça. Après, qu'est-ce qu'on a à faire ici? Lieu défendu. Après, il y a ça aussi. Enlève-toi. Il y a haute sécurité, genre prévenir la Ligue des Faubourgs. Et là, on doit faire de... à manger, là. Attends, ça disait quoi? Tellement de trucs à garder en tête. Alors, le contact des Freux se déguise en marchand. Pour révéler sa vraie nature, rendez-lui un brouet d'anguilles. Ouais. Ouais, on va devoir faire ça aussi. Moi, je pense que ça peut vraiment nous aider aussi pour avancer dans l'histoire. Donc, on va essayer de faire ça la prochaine fois. Mais faut aller acheter des anguilles et tout ça, faut en faire quoi. Et on n'est pas en argent. On n'est pas en argent, on n'a pas grand-chose à vendre. Qui valent très cher. Ça m'embête un peu ça. À voir. On verra. À la prochaine. Ciao.